Hey, salut tout le monde, c'est Atomania et on se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère. Donc la dernière fois nous avons affronté un Dratak. Donc dans cet épisode, déjà on va voir ce que nous réserve l'Orbe des Liens et on continue. Alors, on a une mission d'apprenti explorateur à remplir. Oui. L'Orbe des Liens. Et qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme mission? Aide-moi à... Raichu, ouais. Alors, aide-moi à trouver, à le trouver. Retrouver ensemble le trésor perdu de Raichu. Ouais. La crotte de l'entraînement, pourquoi pas. N'hésitez qu'à être mise à jour. Donc, voilà. Allez. Hop. Direction là. Alors déjà on va voir si on a des petits items. Alors on a des pommes, plein de beurons, plein de mini résuvanes. Ouais, ça devrait aller. On va vendre aussi des graines vides à Monsieur Cléon. Alors, le marché Cléon. Alors, vendre. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Alors, voilà. C'est tout ce que je vais vendre. Oui. J'ai dit oui. Allez, oui. Merci beaucoup. Non. C'est tout. Alors, grotte de l'entraînement. Oui. On va aller chercher le trésor de Raichu. Ah, Goupix, c'est frais. Il est frais, le Goupix. Il y a deux Pokémon feu. Nymphalie aussi. Nymphalie, pourquoi pas. Allez. C'est parti. Grand de l'entraînement. Rez-de-chaussée. C'est parti. Raichu nous accompagne. Allez, Féro Saint-Juy, il est KO. Il y a plein de phénix. Je suis désolé, hein. Si vous avez entendu un petit bruit, c'est moi qui ai roté. Allez. Là, je dis beaucoup, allez. Carapagos. Gros. C'est bien. Donc, il faut aller à l'étage numéro 1. Pistolet à eau, c'est un pistolet dur ça. Non, c'est un solo G. Ok, j'ai rien dit. Et Féro Singe. Féro. Merci de ne pas m'avoir laissé attaquer. Il est tout congelé. Ah oui, et l'épisode de Zelda Minish Cap où je montre ma tête pour la première fois est sorti. Ouais, vous l'avez déjà eu, n'est-ce pas? Les crochets. C'est bon. Alors. Ouh, il est fini. Un anneau. Ouh, on trouve deux éphélites. Embrouilleur, sirtir sur Nymphalie. Intimidateur. Sirtir. Champignon par sang. Ah non, j'ai pas été ça assez rapide. Il y a un élixir boire. Saucisse-feu. T'as intérêt à gérer. C'est bon, enchaînement, sirtir. Sirtir, voilà. Alors, étage numéro 1, donc là, c'est là où se trouve donc le trésor perdu de Raichu. Allez. Ouais, il est fini, juste là, en haut. Ouh, qu'est-ce que tu fous? Anti-brûlure. Utilisé sur moi.
Bon, partons à la recherche du trésor perdu. Alors, il est où ce trésor perdu? Il est où? Même avec le rebondissement, ça ne l'a pas fait du mal. Rougir. Voilà. Pas qu'à où? Voilà, c'est bon. Rougir. Yes, moi j'ai tout. J'ai touché, c'est bien. Rougir. Je suis désolé, on va rapprocher, non? Il est où ce petit trésor? Deuxième chance. Info. Alors, porter un anneau, le certificat de cet effet dit augmente la précision des attaques qui ont précédemment échoué. Ajouter plus d'effets du même type renforce cet effet utilisé en tant qu'objet et augmente un peu la stack fixée à la sortie de l'enjeu. Pourquoi pas? Alors, on a trouvé son trésor. Bravo! T'as vu bien un petit peu? Ouais, bref. Merci du coup, Dibs. Non mais les liens, pareil. Alors, est-ce qu'on va être connecté à plusieurs Pokémon? Connecté. L'équipe Kailamesh et Raichu sont maintenant connectés. Non. Voulez-vous quitter le donjon? Oui. Patatatata. Sortie du donjon. Voilà. On a terminé en beauté la quête dans le donjon grotte de l'entraînement. C'est fini pour aujourd'hui, les quêtes. Ouais. A plus, Satomania. A plus, saucifeu. A plus, petit saucifeu. Oh, pifeuille. Alors, mon gars, comment on se retrouve? Je m'en veux t'avoir laissé tout seul. Pour me faire pardonner, j'ai ramené une petite douceur. Allez, viens donc, on va s'éclater la panse. Ah mais au fait... tu t'es fait inviter chez le père Megapagos, et donc tu veux les inviter ce soir? Pardon, c'est une bonne idée. On va dîner tous ensemble. Et c'est ainsi en compagnie de Megapagos et Saucifeu. Nos amis partagèrent un dîner dans la bonne humeur. Voulez-vous sauvegarder la partie? Oui, on sauvegarde la partie. Sauvegarde en cours. N'a pas éteint la console. Un 16e épisode, les gens. Ça fait longtemps qu'on a commencé la série. Enfin, pour moi, ça fait pas longtemps pour celui que j'entends tous les soirs. Quasiment. Comme toujours, Atomania et Saucifeu se rendent ensemble à l'école. Puis il va à la fin des cours. Plum, plum, plong. Bref, comme vous le savez tous, à partir de demain, ce sont les vacances. Amusez-vous bien. Attention à ne pas faire de bêtises. Sur ce, le cours est fini. Ouais, liberté! Enfin les vacances, c'est pas trop tôt. On va bien s'amuser. Oui, j'ai hâte d'y être. Ah mais, on y est déjà. Vive les vacances d'été! Chapitre 7, les vacances d'été. Atomania, ça y est, c'est les vacances d'été. Ça veut dire plus d'école. On va pouvoir s'amuser toute la journée. Allez, on ne doit pas oublier qu'on est des apprentis explorateurs. Et comme on est des enfants sérieux, on va continuer à faire des quêtes. T'es d'accord, Atomania? On continue de faire des quêtes pendant les vacances, hein? Cool! Je savais que je pouvais compter sur toi.
Allez, du nerf, on a du pain sur la planche. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mais c'est pas Pharaon là-bas? Hé, hey, Pharaon! Qu'est-ce qui se passe encore? Tiens, mais qui voilà? Ce sont les enfants du village! Alors, comment se déroule vos quêtes, mes petits apprentis explorateurs? Impec, on se donne à fond. Petit à petit, on crée des liens avec plein de Pokémon. Vraiment? C'est fantastique. Et toi, tu vas quelque part? Oui, je pense qu'il est bientôt le temps pour moi de quitter cet endroit. Que? Tu t'en vas? Oui. Ce village est fort sympathique, mais le devoir m'appelle. Comme vous le savez, je suis un ébouriffant Pokémon voyageur qui vient au gré de son humeur. Et donc, vous l'aurez compris, mon humeur se tourne vers d'autres horizons. Je vois. En tout cas, je compte sur vous pour accomplir de nombreuses quêtes, même si je sais que c'est une tâche difficile pour deux jeunes Pokémon. Et si vous persévérez, je suis sûr que l'avenir vous réservera quelques surprises. Merci, Pharaon. Fais attention sur le chemin du retour. Pas de problème. Bon, bon vent, les petits. Allez hop, en route. La sortie du village, c'est pas par là. Ah oui, quelle tête de linotte. Sur ce... Qui est stupide. Il va me manquer, mais bon, il faut faire avec. Nous devons nous débrouiller tout seul maintenant. On va donner tout ce qu'on a. Et si on a une récompense au café Kangourex. Alors, que puis-je faire pour toi? J'ai fouillé, mais je ne vois aucun paquet pour toi. Attendez, je regarde un tout petit peu la 3DS. Tiens, cadre. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, voyons. On va parler un petit peu au Pokémon. Tu veux bien? Oui, je veux bien. Tu veux bien discuter avec moi? Oui. Moi, je veux bien. La Topania papote avec Azumari et tout le monde passe un bon moment. On va chercher des quêtes, hein, pour l'instant. Ça fait du bien de papoter un peu. On remet ça quand tu veux. Alors, Pédénia, oui. Je suis connecté avec Azumarill. La classe. L'équipe Kailamesh et Azumarill sont maintenant connectés. Azumarill. Là, elle le fait là. Et... grâce à Azumarill... c'est connecté avec Azuril. Voilà. Alors, est-ce qu'il va me parler? Le vent m'emporte. Ah non, on t'emporte pas. Je vois pas. Alors. Je me souviens de mes vacances d'été. Quand j'étais petit. Ah là là, les bêtises. Tu m'étonnes. Un cliché ici. Reçu branche en voûte. On va vers la boîte dépôt. Mission d'apprenti explorateur. Oui. Bon. Alors. Je visite un petit peu. Ok. Il y a les deux autres. Faut qu'on trouve un super truc à faire, un truc de fou. Mais on est en plein meeting stratégique là. Trop cool. Ok. Bon, bien nous, parce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter.
été là, les gens. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, à mon compte Twitter également. Laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde.